Allez, le voilà, le magnifique Ivan Noé que vous venez de regarder gagner le Grand Prix de Baden en battant ni plus ni moins que le champion See the Moon, qui est devenu depuis un étalon de tout premier plan. C'est l'un des quatre groupes 1 qu'a remporté Ivan Noé. Il a également gagné groupe 1 en Australie, rendez-vous compte, un grand voyageur très dur qui a couru de 3 à 7 ans au meilleur niveau et a accumulé plus de 1 million d'euros de gains, 1,3 million. C'est un fils de Soldier Hollow, top étalon allemand dont on a parlé ce matin, qui a la particularité, Soldier Hollow, d'être un tout petit cheval. Et pourtant, il en fait plutôt des grands. Regardez ce somptueux Ivan Noé, 1,70 m pour ce magnifique cheval bais. Sa mère est une troisième du prix de Diane, et donc Ivan Noé a été exploité comme étalon d'obstacle et prend cette direction désormais depuis l'année dernière au Haras de Cercy, puisque déjà c'est un cheval de distance, et sa mère a également produit Irving, qui est un double gagnant de groupe 1 sur les haies anglaises. Magnifique donc ce Ivan Noé qui est arrivé en 2020 au Haras de Cercy, puisqu'il avait ses premiers foals conçus à Cercy, né cette année, dont un qui a élevé par M. Majer, qui a gagné au concours de Decize, un foal. Et donc ce Ivan Noé a ses premiers 3 ans cette année. Il y en a pas mal qui vont être exploités en obstacle. On a vu un premier partant chez Henri Alex Pantal, Goldoni, qui a montré un peu de qualité, qu'on a hâte de revoir. Il a saillé 114 juments l'an passé, Ivan Noé, proposé au tarif de 3300 euros en public. Regardez ce physique de ce fils de Soldier Hollow, magnifique, qui sera toujours donc au Haras de Cercy.